Bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. Donc depuis la dernière fois, en fait, il s'est pas passé grand-chose. Quelques heures, parce que j'ai réparé en fait le sac de couchage qui est là. Il était à 15%, je crois, donc je l'ai réparé pendant quelques heures pour le mettre à 100%. J'ai déposé tous les fusibles et tout ça, et le câblage qu'on a, comme ça, ça fait un peu moins lourd. J'ai fait un peu le tour vite fait du proprio, il y a zéro loup, il y a zéro morceau de bois. Je déteste cet endroit. Honnêtement, je déteste cet endroit. Il est insupportable, cet endroit. Il est insupportable. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans la forêt où on a vu... Enfin, dans la forêt. Dans les quelques arbres on a vu. Hein, pour aller récupérer des glands. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais être franc. Je pense pas rester extrêmement longtemps ici. Je crois qu'on va passer un peu le temps, comme j'ai dit, à récupérer des glands. Et attendre la nuit. Et ce qu'on va faire, c'est que si on voit une aurore boréale, bon bah tant mieux. Du coup, on va pouvoir tester encore une fois la radio. Mais s'il n'y a rien, on va potentiellement partir. Après, c'est vrai que je voudrais bien quand même passer un petit moment à récupérer des glands et tout ça. Mais je vais être honnête, cette zone, elle est pas fun du tout. Elle est vraiment pas fun. Il y a zéro loup dans le périmètre. Il y a zéro loup. J'ai fait le tour pendant un petit moment. Il y a zéro loup. Et c'est là qu'après, je suis allé réparer le sac de couchage. Allez, avance. Donc ouais, on va avoir ces... Alors, tu te fous de moi ou j'entends quelque chose? Non, c'est... Donc ouais. Attends, j'ai l'impression d'entendre quelque chose, c'est super. Non, même pas. Non, mais on va prendre ça, honnêtement, le plus possible. Le plus possible. Et on va tout simplement partir, je crois. Je sais même pas si je veux vraiment pousser vers la cabane. Qui est après la glace là-bas. Là. Je suis pas certain en fait. Il y a quoi là? Allez, avec le vent qui me pousse de l'autre côté, ça me rend fou ça. Je suis désolé, mais ça c'est des choses qui m'énervent énormément. Genre là, il y en a quelques-uns encore. Il y a quasiment pas de bois par terre. Les avait récupérés, non. Donc ouais, on va faire ça dans cet épisode. Ça va être assez chill, honnêtement. Et on espère avoir une nouvelle aurore boréale. Et si jamais il y a vraiment rien, on se casse. Parce que c'est vraiment pas une zone fun en fait, en intrus. C'est vraiment pas fun. Après, le problème, je peux un peu forcer, vous savez, rester un peu dans le froid et tout ça, perdre un peu de vie et récupérer en dormant. Mais, encore une fois, c'est que on n'a pas de nourriture de réserve. On n'a pas grand-chose. On a les glands, des massettes. C'est à peu près tout, en fait. J'ai même pas de bois. Je peux même pas faire de feu. J'ai quasiment pas de bois. Donc, ouais, pas fun. Faudrait aller dans les forêts, en fait. Genre qui sont super loin. Là, je pense pas qu'il y ait grand-chose, en fait. Là où je suis, hein. De ce côté. De ce côté, c'est surtout pour partir, en fait. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai déjà froid, c'est bien. Là, on les a fait. On les a fait, hein, tous, là-bas. C'est que des gros morceaux de bois. C'est catastrophique. On peut prendre des massettes.
Ouais, non, c'est vraiment pas fun cet endroit. C'est... Ah là là. Qu'est-ce que c'est embêtant, j'aime pas du tout. J'en avais déjà... Je l'avais déjà expliqué la dernière fois, mais je pense que c'est une zone des... les moins intéressantes qui existent dans le... C'est une des régions les moins intéressantes qui existent. Même Blackrock, je suis pas très fan, parce que c'est surtout de l'intérieur. Même Blackrock, je la trouve plus intéressante. Je vois pas d'arbres. Je vois pas d'arbres à glands. Je ne vois pas de glandu. Non, je ne vois pas de glandu. Je dois bien faire un feu. Parce qu'il fait... Là, on a une bonne lumière, là. Donc, je pense qu'à la loupe, ça marche. Mais comme j'ai dit, j'ai pas de bois. J'ai quelques morceaux en fait de réserve, mais c'est tout. Mais c'est pas assez pour faire un long feu en fait. On va commencer à revenir. Oh, un lapin, mais je tremble. La plupart du temps, il y a plusieurs lapins au même endroit. Là, il n'y en a qu'un seul, apparemment. Bizarre. C'est bizarre. J'ai même pas d'eau. De réserve en fait. Maintenant que j'y pense, j'ai même pas d'eau. Donc même ça, ça peut être un problème. Après oui, on a du bois à l'intérieur de l'aéroport, on a des... Des caisses et tout ça. Je crois qu'on va faire ça, on va finir par casser des caisses en fait. Des palettes et tout. Hein. Parce que là, je peux pas. Si je pouvais faire un feu, vous savez où il y a le hangar là, avec un hélicoptère, un avion et tout ça. Si je pouvais faire un feu à l'intérieur, honnêtement, je me plaignerais pas parce qu'on camperait du coup à l'extérieur. Parce qu'on est protégé du vent et tout ça. Mais vu qu'on peut pas, il n'y a pas de bidon. Bah, du coup, on peut pas faire grand chose en fait. On est obligé d'aller en intérieur qui est vraiment pas bien aménagé. Aïe aïe aïe. Enfin bref, je vais arrêter parce que la dernière fois c'était un peu la même chose. Je pense que j'aimerais, comme j'ai dit, hein, j'aimerais cette zone qu'on aura tout ce qu'ils nous ont promis. Genre le travois, le thermos et tout ça, des trucs comme ça. C'est vraiment que comme ça que je pense que cette zone ira mieux. Mais avant ça, non. On était allé là. Avant ça, non. Avant ça, ça restera une zone plus ou moins nulle. Je vais être franc, c'est plus ou moins nul. On avait une maison, je crois, c'est de ce côté-là. Après, on avait quoi? Vous savez, la maison où on est resté longtemps. Là-bas, ça, c'est le loup que j'avais tué, mais j'ai tout pris, de la viande. Ça, on avait fouillé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a strictement rien. Il y a rien. Il y a pas de cerf. Il y a pas de loup. Il y a rien. C'est ouf. Ah, il y a des objets. Ah, fusil.
Fusible. On va prendre les morceaux de métal aussi, tant qu'on y est. Non, on était déjà venu, mais ils ont rajouté des objets. Et voilà, on a fait un grand cercle honnêtement tout autour, ça servit quasiment à rien. Oh! Il y a des cerfs là-bas, ça y est, ils sont venus. Oh, enfin! On peut aller chasser. Aïe aïe aïe. Ok, go go go, on va se réchauffer. Ah mais j'ai pas de bois, ah fait chier. Ouais, mais après le bois comme j'ai dit. À la limite, le bois, on peut gérer ça en cassant les palettes à l'intérieur. Mais encore une fois, on peut pas faire du feu à l'intérieur. Bah, si, je crois en dessous. Je crois qu'il y a un bidon. Mais le mieux, ça serait de faire un feu là, quoi. Ouais, genre tout ça, là, on peut le casser, genre les planches et tout. J'avoue qu'on peut. Et je crois qu'en fait, on est plus ou moins obligé. Hein. On est plus ou moins obligé de faire ça. Alors... plein de trucs. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré surtout? Alors, le métal. Qu'est-ce que j'ai? J'ai trois. J'ai même pas de bois ici. J'ai vraiment pas de bois du tout. Qu'est-ce que c'est sombre aussi cet endroit? Oh là là, ça me rend fou. On va garder ça. Qu'est-ce qu'on a sur nous? Ça. C'est bien ces petites flèches hein, de. J'aime bien, hein. Comme j'ai dit hein, la dernière fois, je trouvais ça vraiment cool au final. Moi, j'avais avant que ça sorte, j'avais dans l'idée que c'était genre des flèches normales qu'on faisait. Flèches simples, qu'on durcissait au feu et genre elles duraient plus longtemps. C'est vrai que ça avait pas de sens en fait dans ma tête. 66%. Est-ce que ça le détériore de casser les noix, les glands là? Je suis en train de me demander ça. Si c'est vrai, putain. C'est une horreur. On va laisser le lapin ici parce que sinon on va être trop lourd. Quoique, en fait, faudrait que j'y aille. Je suis en train de me dire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du feu sur place là-bas ou on fait du feu. Je sais pas. On est méga lent à l'intérieur de ce bâtiment. C'est une catastrophe. Allez, si j'arrêtais de me plaindre deux minutes. Si j'arrêtais. Hein. Je vais essayer. Hein, je vais essayer. Je sais que t'es fatigué, mais c'est pas le moment. Oui, ça, pardon, faudra que je regarde hein, pour le marteau, si ça vraiment, ça l'abîme. Honnêtement, si ça l'abîme, c'est complètement con, parce que... Enfin, genre, si ça l'abîme de beaucoup. Ok, on a deux trucs, là, proches. On va essayer de se les faire avant qu'on ait froid. En train de venir vers moi. Non. On va essayer de faire le grand. Je sais même pas si ça fait une différence avec la nourriture, honnêtement. C'est qu'on va prendre cher si je découpe tout ici. Non! What? Quoi ce bullshit? So cold.
Oh putain, elle tremble. Non, mais oh! Non, mais ici, ils ont une... Ils ont une vue décuplée, un sens décuplé. Hein. Plus j'ai l'impression qu'ils ont fui quand j'ai bandé l'arc. Plus que avancé, en fait. Oh, ça va être bien de viser quand on tremble. Peut-être qu'on peut trouver du bois ici, faire un feu. S'il fait pas trop froid, donc à la limite. Mauvais tir, mais c'est pas grave. Cette kilo. Attends, t'es là. Qu'est-ce que je fais, moi? On a quelques petites branches et j'ai du bois de récupération, ça booste un peu plus la chaleur, donc ça devrait être bon. Mais on est fatigué. Ah, j'ai du café. Parce que je voudrais bien que ça se passe bien et qu'on puisse récupérer le reste en fait de machin. Voilà, on va boire du café, ça va nous réchauffer et nous réveiller un peu. Passif. Il choque ça en fait. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Jesus, it's cold. Ouais, j'avoue, fait froid là. Ça, on va les poser par terre, on va essayer d'aller chasser deux autres, enfin un autre. Ah putain. Ah, il fait froid. Brouillard, ça veut dire quoi? Brouillard, ça veut dire que on risque d'avoir une tempête bientôt ou pas? Je suis en train de me demander. T'es devant ou derrière moi là? T'es devant moi. Ah oh, putain, chier. Oh. Pas dans la tête.
Tant qu'on a le bonus de chaleur, ça va. Honnêtement, quand on a le bonus de chaleur, on est méga résistant. Comme j'ai dit, hein, même si vous voyez trois flèches vers le bas, on est méga résistant. Strictement rien. Hop. Il est juste là. Let's go. Strictement R. C'est bon, on a une flèche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alimenter le feu? On n'a pas grand-chose pour rendre le feu un peu plus chaud en fait. On a 3 heures, c'est très bien. Bien. Je voudrais bien aller récupérer le cerf qui est en plein milieu, mais honnêtement, avec cette vue, autant ne pas le faire. Ah, j'aime pas trop quand ça fait les pas là comme ça. La viande, elle se mêle avec les pas, en fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, tant qu'on y est, c'est en profiter pour dormir à côté de notre ami. 22 minutes. Je peux encore prendre des morceaux de celui-là. Prends des morceaux de celui-là parce qu'il est dans le froid, en fait. Donc du coup on prend les morceaux, on ramène au camp, et puis après on découpe celui-là qui est près du feu là, en dernier. Toujours se baisser au cas où. Ouh la vache, ouais il fait très froid quand même. Hein. Bien. Évidemment. Évidemment. Je vais me rendre fou, je... Est-ce qu'on est loin de l'aéroport? Honnêtement, je vois pas grand-chose. Oui. Oh, c'est un blizzard en plus. Oh, yes. Ah oui, ah oui, ah yes, ah yes. Terrible, terrible. Évidemment que ça va être un blizzard, évidemment.
Bon, pour l'instant, on a de la chance. On peut rentrer. Puis en plus, c'est rentré en catastrophe là. 43. I wonder if I can drop any of this gear. Je crois que c'est par là, il y avait les... Ouais, il y a le corps qui est sur la droite, là, je le vois, point noir. Là, il y avait les arbres. Du coup, c'est en face. C'est un peu loin, c'est honnêtement un peu loin, par contre. Ah, c'est pour ça que cette zone, c'est cauchemar, hein. C'est un gros cauchemar, cette zone, hein. Pas d'aurore boréale, on peut pas s'amuser avec la radio. On n'est pas très loin, ça va. Donc on va faire ça, cet épisode, et après honnêtement, je vais réfléchir au prochain épisode, si ça vaut le coup. Si là on se met bien... Avec les cerfs là qu'on a eu là, la viande et tout ça. Si on se met bien, à la limite, on reste un peu plus longtemps et je continue à faire le tour du proprio. Mais franchement, je suis pas très certain. Ouais, bon, on est rentré. Mais ouais, pour être honnête, je suis pas très certain de vouloir le faire. Comme j'ai dit, c'est pas très pratique comme ça. On voit rien. Je vais ressortir, on va déposer la viande à l'extérieur. Faudrait... En fait, le problème, c'est qu'il faudrait que je prenne quand même beaucoup d'heures pour casser tout le bois qu'il y a à l'intérieur. On va dormir. Tout le bois qu'il y a à l'intérieur. Du coup, ça risque de me donner le mal de l'enfermement et tout. C'est chiant. Il faut que je fasse de l'eau. J'ai pas de faitout en plus. Aïe, aïe, aïe. Oh la vache. Ah. Une tempête, je pense. Très bien. Il nous faut de l'eau. À la limite, il faudrait peut-être faire deux feux pour aller plus vite avec l'eau. On a des... Non, on a même pas extra. Non, si, on en a deux. Douze minutes. C'est mieux d'utiliser la hache. Ou le marteau. Je me demande, le marteau, on peut facilement le réparer. La hache, il faut l'aiguiser. Une heure à la main, ça va quoi.
sais pas. Très bien. On a aussi la carcasse de lapin. Alors, faut voir un peu. Faudrait retourner sur place en fait. Je dirais retourner sur place pour tout cuire. C'est surtout qu'il y a quand même beaucoup de viande. Ou alors on fait des allers-retours, on va récupérer la viande. Mais ça dépend s'il fait froid ou pas. S'il fait froid, je peux pas faire ça. Ah ouais! Ah ouais, d'accord, ouais, non, c'est bien. C'est fun. Genre, j'aime pas la zone et la zone me le rend bien en fait. Je crois que ça va là. Ouais, ouais. Je peux strictement rien faire là. Strictement rien faire. Alors, est-ce qu'il y avait un feu en dessous? Parce que ce que je peux faire, c'est... Alors, je vais voir, c'est ça, on prend ça. Les plumes. On a des plumes par terre ou pas? Je crois même pas. Je crois même pas qu'on ait des plumes. En fait. C'est fun. Alors, ce qu'on va faire, on va aller au sous-sol. Et voir s'il n'y a pas un bidon là où on peut faire du feu dedans. Dans mes souvenirs, je crois, mais je suis pas 100% certain. Pas rien, quoi. C'est ouf. Celui-là, non. Il y a le fourneau, mais... Je vais pas faire de l'eau sur un truc quand même, faut pas exagérer. Sur un emplacement, sur un seul emplacement, il m'en faut moins deux. Non, c'est mort. Du coup... Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors on est d'accord qu'on peut pas faire du feu là, hein, ça a pas changé. Hein. Là, il n'y a pas de bidon. Placement non valide. Ah non, d'accord, on est d'accord que je peux pas. Non, c'est mort. Je regarde en fait si j'avais si j'avais pas genre raté un endroit et tout ça, genre où je m'en rappelle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là on peut pas faire de feu. C'est considéré en intérieur, on peut pas faire de feu. Je sais pas comment les gens peuvent apprécier cette zone. Je sais pas du tout comment les gens apprécient cette zone. Une batterie.
Une batterie. Qu'est-ce qu'il nous reste comme endroit? Là non plus, hein, y a pas de... Oh, so cold. Y a pas de bidon, rien. Hein. Je peux pas faire du feu. Parce que là on est même pas bloqué contre le vent. Ça me fatigue. Waouh, comment ça me fatigue. Ah, attends, il y a des petits prés, pas des prés, des genre des granges, non? Peut-être les granges? Ça fait un peu loin, je crois, par contre. Ouais, là, y a rien à faire. Ah, tais-toi. Après, je peux tester un feu hein, d'un côté ou de l'autre, mais on a une chance qu'il s'éteigne, quoi. Il n'y a pas de renfoncement, en fait. Mais après, il y a peut-être une grange de l'autre côté. Attendez, est-ce qu'on l'a sur la carte? Non, on l'a pas sur la carte. Caravane de responsable de cargaison. Il y a là et il y a un autre endroit. Je crois que c'est juste en face en fait. Faudrait qu'on trouve ça aussi. La vue de l'aéroport abandonné. Parce que ça aussi on l'a pas fait. Donc c'est vrai que dans un sens je voudrais bien le faire. Bon. Faut que je me rappelle où c'est. Je crois que c'était par là-bas. Dans un blizzard, va te repérer dans un blizzard. Faut que je me prenne des repères, genre la route cassée ou je sais pas quoi. C'est en fait, je veux faire un feu qui dure longtemps pour pouvoir faire beaucoup d'eau. Ça doit être là-bas, je crois. Où c'est qu'on a trouvé les fusibles? Là, 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 là. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur endroit, mais... Ouais, c'est pas mal, là.
C'est pas le meilleur endroit, hein, mais je vois que ça comme endroit extérieur qui est un peu protégé. Et encore. Un poids. Come on, little fire. Entre là, on fait pas avec du petit bois. Donc ça, c'est embêtant. Ah là là, quand je bois en plus. Come on, little fire. On n'a pas un accélérant. Non, l'accélérant, je l'ai déposé. Enfin, je crois. Come on, little fire. Si t'arrêtais de parler, parce que tu souffles sur le feu, honnêtement, c'est peut-être pas très très bon aussi. Ok, go. Est-ce que ça peut me réchauffer aussi dans... Très bien. Ah, parce que là on a un feu qui est un peu protégé et surtout qui va durer longtemps. Parce qu'il est il est affecté par le froid. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah, c'est pour ça que je déteste cet endroit. Ouais, j'avais pris ça au final, c'était pour faire des fûts de flèches en fait. Enfin, l'idéal c'était que il y ait un baril au sous-sol. Il y a un baril au sous-sol de l'aéroport. Et pendant que je fais de l'eau, je fais des fûts de flèches. Mais en fait, il n'y a pas de baril au sous-sol, donc du coup, j'aurais dû le déposer. Enfin, c'est pas grave. Cœur 19, très bien. Bon ben voilà, ça va, ça repart, c'est bon. Bon, toi, bon, on s'en fout un peu, honnêtement. On va faire ça. Non! Le vent, il a bougé, il a soufflé mon feu. Oh, vache. Alors, ce qu'il faut, c'est... il me faut... deux reishi. Ah, on n'est pas à l'abri, hein, j'avais dit, hein, mais bon. J'aurais bien voulu que ça se produise pas quand même. Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu la chaleur du feu, en fait. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, on va pas tout mettre. Je vais encore faire un peu d'eau. On a fait deux reishi, donc c'est bon. J'ai récupéré mes 2-2-2-2. Très bien. Je vais regarder s'il n'y a pas du bois. Ah, là aussi, à la limite, ça pourrait être même mieux, là. Je sais pas. Pour le feu. Gotta warm up somehow. Il y a strictement R. Et le gros R, R majuscule.
Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Là, c'est le R majuscule. Là. On peut même pas rester très longtemps. Vous avez vu le feu? Il dure très longtemps parce qu'il fait super froid en fait dehors. Donc du coup c'est vachement bien ici. On aurait dû peut-être le mettre dans ce coin là. J'en sais rien en fait. Il a l'air plus exposé ici en fait que si je le mettais là. Je trouve. Enfin de toute façon le vent s'il tourne, il tourne. Ça c'est pas vraiment quelque chose que je peux changer. Faudrait faire les glands aussi. Ça fait beaucoup, beaucoup de calories. Alors, grande portion. 9 minutes. On est en train de faire plein de choses à la fois. J'avoue que c'est un peu... J'en ai combien là? Faut que je réfléchisse un peu, parce que je parle pas trop parce que... J'en ai un. Ok, on peut faire ça. Préparer, c'est une minute. On a 27 minutes. J'ai pas beaucoup de bois. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Très bien. On va faire de l'eau. C'est un peu ça qui me manque. Et on m'a encore soufflé mon feu. Mais je suis bloqué. Y a plus rien en fait là. Et je me mets là. Ici à la limite c'est mieux je crois. Ouais. De toute façon là on peut que prier. Hein. Enfin, même si ça sert à rien, mais on peut que espérer que le vent ne retourne pas en fait. Parce que même entre les deux, il y a quand même des ouvertures au final. Donc bon, c'est pas. Attendez, on va faire ça. Parce que. Winterland ne sait pas stacker les objets, donc faut le faire manuellement. Voilà, très bien. 40 minutes, 12 minutes. Nickel, eau potable. D'abord, on consomme pas beaucoup de calories, on consomme pas beaucoup d'eau. On bouge pas. On bouge pas. Et là, on est en train de faire beaucoup de choses, en fait. En point de vue de calories, là on fait du très bon. Là, on fait tous les glands et tout ça. Honnêtement, c'est vraiment utile. Bon, eau potable, 3 minutes, ça marche. Et faut que je branche mon casque comme d'hab. Bon là je suis content. Je suis content. Là ça me remonte un peu. Parce que j'étais... Honnêtement j'étais un peu...
Ouais, enfin voilà, c'est la zone, quoi. Bon, par contre, c'est notre dernier bois. Alors, fais voir. J'espère que le vent va pas tourner. Non, potable 3 minutes, ça marche. Ok, je vais voir un peu l'eau. Ça va. On a l'impression de faire beaucoup d'eau, mais au final, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Ça, c'est ça le problème de pas avoir de fait tout. minutes. On va voir, on était à 38 minutes, là j'ai passé 20 minutes, donc normalement c'est 18. On est encore à 28 minutes, vous voyez. Donc le fait qu'il fasse très froid à l'extérieur, c'est vachement pratique pour nous. On va en faire d'autres. Table. Eau potable. Neuf minutes. Je crois que le feu... Ouais, le feu... C'est très bon. On a encore 5 minutes. Et c'est mort. Il faudrait 29 minutes. Je crois que c'est mort. On va devoir rentrer. Ok. Voilà, x9, 400 x9, c'est pas mal, pour 1,8 kg. Enfin non, 1,08 kg, c'est pas pareil. C'est quoi qui craque comme ça? C'est le feu? Je crois que c'est le feu. Et ceux-là, on les transformera en bouillie. Toi, le lapin, on peut le prendre avec nous. Allez, on rentre. J'aurais dû prendre plus de morceaux de bois. Non, attends, c'est quoi qui craque? Non, on a un problème. Vous entendez le craquement ou c'est moi qui deviens fou? What the fuck? Je crois qu'on avait un son qui était resté. Très bizarre. Bon, bah là, je reprends un peu le moral, un tout petit peu, hein, pas énorme. Bon, résultat des courses. Bon, le résultat des courses, ça peut aller. Je vais voir, elle est fatiguée ou pas. Pas besoin d'outils, donc on peut le faire dans la nuit, y a pas de problème. Je vais reposer le bois. Ok, on est devant le sac de cloche. Il n'y a pas d'aurore boréale, donc ça sert à rien de vadrouiller. Alors. Hop, très bien. Donc ça, on peut le taper. Tiens, pendant qu'on y est, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah non, mais je suis dans la nuit, peut-être qu'ils vont pas vouloir. Ah oui, mais attends, je sais pas si ça utilise les portions qui sont quasiment
Vide ou pas? Attendez, je vais me mettre là. Je sais qu'on voit pas grand chose. Moi déjà, je vois pas grand chose. Alors vous, vous devez encore moins voir. Jeter, tout jeter. Ok. Il y en a 9 par terre. Je vois rien avec la fumée. Ouais, ils sont tous au même endroit, ça va. C'est juste pour être certain. 15 minutes, ah, putain. Alors attends, le marteau, il est. Ce que je voulais voir, c'est ça. C'est le marteau, il est à 66%. Si jamais le truc il perd 10%, je vais péter un câble. Non, ça va, ok. T'as eu peur. Très bien. C'est bon, il perd rien, ça va. Donc là, on en a deux. C'est 0, 20, l'un. Ça fait un peu lourd quand même, hein. Ouais, je dirais de ne pas les transformer en poudre, en fait. Ah non, quoique, non, non, c'est pareil, pardon, j'ai rien dit. Ce x4, c'est 0,20. Et un gland broyé, c'est 0,20 aussi. Et un gland broyé, c'est 4 glands, en fait. Non, ça va, c'est la même, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est bon. Peu importe. Ok, normalement on en a 9, non, normalement on en a 9. Attends, pourquoi il y en a un qui a pas... Pourquoi t'as pas stack? Pourquoi tu veux pas stack? What? Je suis en train de dire que le jeu il est encore bugué. 320, pourquoi 320? Pourquoi pas 400? Ok, donc je me suis fait enfiler des calories. Ah mais c'est trop bien le jeu, putain mais... Oh là là. Mais c'est trop bien de pas savoir coder des jeux et de les vendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Donc vous savez quoi ce que je vais faire? On va s'arrêter là, avant que je m'énerve un peu trop. Parce qu'après je fais que me plaindre, mais bon. Je pense que c'est justifié. Donc on va s'arrêter là, je vais pas dormir. Parce que je veux pas que ça sauvegarde. Ce que je vais faire moi... C'est que je vais quitter maintenant, comme ça quand je recharge, ça va être quand on passe la porte en fait pour rentrer. Et du coup, bah, je vais éviter de poser les objets par terre, tout simplement. Voilà, parce qu'apparemment, ça fait bugger et les glands perdent en calories. Ils reviennent à leur calorie initiale qui doit être 320 du coup. Il y en a un qui est à 400, je sais pas pourquoi. Il y en a un qui est resté à 400, mais tout le reste, non. Ah, c'est fatigant, hein. C'est fatigant. C'est fatigant. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire là. Non mais on va faire comme ça de toute façon, je vais pas dormir, parce que je voulais dormir et finir l'épisode en fait, mais je vais pas dormir. Je vais quitter et recharger, c'est pas grave. Et je vais éviter de les poser, et je vais voir que si on les broie, si le jeu en fait prend ceux qui sont bas en calories ou pas. Je crois que je l'avais fait quand j'en avais les 400 sur moi, et je crois que le jeu prend ceux avec les calories les plus basses, genre à 20 ou un truc comme ça. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de les déposer par terre. Mais bon, maintenant du coup on sait que bah, y a un bug où vous perdez les calories. Vachement bien, vachement bien. On peut pas la mettre en... Ouais, moi on peut pas. Enfin c'est bizarre que c'est bugué comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je vais essayer de faire ça.
pour le prochain épisode, honnêtement, je crois qu'on va tout simplement partir. Hein. Je vais encore jouer un peu, je vais peut-être même passer une journée et tout ça pour aller récupérer genre la viande qu'on a laissée avec les cerfs. Les cerfs qui sont par là, je crois. Non. Ouais, non, c'est plutôt là. Je vais voir. Et honnêtement, je crois qu'on va partir avant que je pète vraiment un câble et que je désinstalle. On va partir d'ici. On va peut-être essayer de trouver la vue de l'aérodrome abandonné de là. Je suis pas certain de pouvoir le trouver. En fait, ça a l'air d'être très proche, en fait. Ouais, ça a pas l'air d'être très très loin au final. Donc, je pense qu'on peut peut-être le trouver. Ce que je vais faire, moi, bah, je vais en profiter pour faire... vu qu'on a fait du bois, oui, vu qu'on a fait du feu, on a des charbons et je vais essayer de dessiner en fait le secteur pour essayer de me repérer pour ça. Et une fois que je me suis un peu repéré, on ira et on partira de cet endroit et point barre. Parce que voilà, ça commence à m'énerver. Voilà. Honnêtement, j'étais, ouais, on va rester, ça va, on va encore rester quelques jours et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, là, vous rajoutez le bug de ça en plus, non, ça va, c'est bon. J'ai donné, on va aller dans d'autres endroits qui sont nettement plus intéressants et nettement plus fun. Donc, on va retourner après au col de transfert en branchement du lointain, où il y a le col de transfert, c'est là où il y a la petite gare, je crois. Peut-être ici, on va visiter un peu le lieu. Vu qu'on n'est pas vraiment pressé par le temps et tout ça. Donc je pense qu'en rentrant, on va complètement faire cet endroit. Parce que je le trouve vraiment sympa. Et l'endroit n'est pas pourri en fait. Il y a plein d'arbres. Il y a plein de... Il y a des loups. Il y a des lapins et tout ça. Donc cet endroit, j'aime beaucoup. Cet endroit, j'aime beaucoup. Après l'embranchement du lointain, je ne me rappelle plus trop. Je sais plus si c'est le col ou l'embranchement où il y a la gare, mais la gare est vraiment cool. Bah attendez, on peut le faire ça, non? Vu que c'est pas... Dépôt vide. Oui, c'est ça. Oui, c'est col de transfert. C'est là. Là, ça, j'aime bien. Ici, j'aime beaucoup. Ici, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a plein d'arbres ici. Donc, il y a sûrement des glands et tout. Donc, je veux bien faire cette zone-là. Après, on a l'embranchement du lointain. L'embranchement du lointain, ouais, nous on vient de là, il faut faire tout un détour pour esquiver ça. Ouais, non, cet endroit est pas très sympa. Enfin, je sais pas, on peut peut-être visiter un peu plus, peut-être aussi. Ouais, on pourrait peut-être visiter un peu plus. Et après, ce qu'on va faire, je crois que quand on reviendra du coup sur notre monde, je peux pas le montrer, bah je sais pas, on verra. Mais ouais, on va faire ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.